Et salut tout le monde, c'est Luffy, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit épisode un peu spécial. Alors, le jeu s'appelle Résistance. Oui, c'est Résistance le 2. C'est le 2. Donc on va faire un peu, vous allez continuer, je vais faire un peu mes campagnes. Et excusez-moi. Voilà. C'est ma manette qui bug. Fait que c'est à chaque fois. Oui, donc je vais continuer ma campagne. Et vous allez en même temps voir un peu le jeu. Bon, c'est vrai que j'aurais pu le commencer. Pour la première mission avec vous, mais bon, je n'avais pas pensé avant. Donc voilà, on va continuer et on va voir un peu. Donc j'étais dans une ville, la ville s'appelle Niveau, alors c'est Chicago, Illinois, Checkpoint, Corfort Hotel. Mener l'unité Echo jusqu'au module chimérien. Je ne vois pas ce que c'est le module chimérien, je ne connais pas. Donc pour l'instant, je découvre en même temps la partie avec vous un petit peu, parce que j'ai pas tout continué. Et j'étais à un endroit qui fout les jetons. Je vous raconte pas. Voilà. Il fout les jetons, mais complètement. J'aime pas ton. Il fout trop les jetons. J'ai plus de munitions dans elle. Putain, ça fait chier. Excusez-moi si je suis un peu. Vous voyez comment ils sont moches? Ils sont terriblement moches. Alors je vais vous expliquer entre guillemets pourquoi c'est comme ça. Je vais faire pause. Alors il y a eu en Russie dans le premier et dans le premier jeu de Résistance. En Russie il y a eu une épidémie. Mais je n'en sais pas qu'est-ce que c'est comme épidémie, et il y a eu une épidémie et les gens se sont transformés en des créatures, mais vraiment très immondes. Donc l'armée a été obligée d'intervenir par rapport à ça, sauf que malheureusement ça s'est répandu dans toute l'Europe. Donc je vous raconte pas, vous voyez un peu l'Europe, voilà, ça fait tout ça. Et dans le premier, ils n'avaient pas grand chose comme truc pour se défendre. Enfin, ils avaient des bons trucs. Mais là, ils ont encore plus évolué au niveau de défense et au niveau des armes. C'est très très fort. Et en fait, les monstres que vous voyez, en fait, dans les petits œufs avant, il y avait un œuf. Et c'était comme un genre de scorpion. Sauf que le scorpion, il marchait, soit il nous jetait du venin. Soit il nous piquait, ça nous piquait, c'est tout. Ou sinon, il nous monte dessus et il nous choque, quoi. Mais là, malheureusement, ils y sont toujours. Sauf que je sais pas si on est encore dans les œufs. Malheureusement, les gros œufs comme ça, c'est des bêtes que vous avez vues, les monstres, là. Et ils sont super moches. Ils sont super moches. Et ils sont un peu méchants quand même. Et moi j'aime pas surtout ces bêtes là. Et surtout qu'en plus là où on est, c'est qu'il fait noir. Je vais vraiment vous dire la vérité, j'ai peur du noir. Vraiment, j'ai peur du noir. Et c'est que là ça peut être un jeu et je vous jure que j'ai les chocottes. J'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure et si j'ai encore peur, soit on arrête le jeu ou soit on passe à autre chose. Mais vu que c'est pour vous, je vais essayer de faire le plus possible.
assez à certains répondeurs. Donc bon. Bon bah. Ah, c'est quoi ça? J'ai peur que cette affiche s'ouvre. Faut aller où là? Je veux sortir d'ici. J'aurais un peu des munitions, s'il vous plaît. Oh là, ça va être une live guerre. Qu'est-ce qui s'est passé, mec? Ouais. Non, c'est quoi cette bestiole? Je la connais pas. Oh shit, j'en sais rien. Je suis con. Mais quand même, c'est un très bon jeu. Moi, j'aime beaucoup ce jeu. Je vous montrerai la photo de la boîte de la boîte à la fin. Je préfère. La manette sans fil. Oh, j'ai plus de batterie. Voulez-vous? Veuillez la reconnecter. Alors attendez, excusez-moi. J'arrive. Je fais une toute petite coupure et je reviens. A tout de suite. Donc gros les gens, excusez-moi, j'ai dû changer la manette. Et voilà. Alors on reprend. C'est la première fois que j'assiste à un combat aussi gros que ça. Non, je vous mens pas, hein, c'est vrai. C'est la première fois. Oh, comment ils sont énormes. Ils sont nombreux. Ils sont combien? Faut pas se replier. Faut pas leur montrer qu'on a peur.
Non, pas lui. Elle est trop bonne celle-là, moi je vous le dis. Non! Oh, c'est impossible de les vaincre. Ils ont un bouclier, mais. On peut pas les vaincre, c'est impossible. Je vois pas comment comment on peut les vaincre. C'est bizarre, hein, son... on voit pas comment on pourrait faire avec les bazookas. Mais... Super live, d'accord, ok. Et coriace, lui. Je suis bête. Je me suis tué tout seul. Non, mais. Non, mais vraiment, non. Vraiment, ça devait être grave. C'est moi que j'ai un meilleur cible en plus.
truc de chimère peut les détruire. D'accord. T'inquiète pas, on va l'avoir. Tiki va s'arrêter. Voilà. Go 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 go. Et on va reprendre notre vie. Je vais prendre le bazooka. Une question. Comment on fait pour le tuer? Sinon c'est plus simple. Je me tue. Allez, venez soldat. Pourquoi j'y venais alors que... Rien à combien vas-tu? Rien, c'est qu'avec nos armes on dirait que ça leur fait mal. Que je vois les armes, les chimères leur faire. Je vois pas comment on pourrait les tuer. Prendre des munitions, allez. Excusez-moi, mais à chaque fois je fais le tour, mais bon, c'est pour prendre des munitions, c'est moi un peu. J'ai pas envie d'en aller en bas, je vais me faire dégommer. Bon, vous savez quoi? Oh non.
vous ai dit, c'est dommage. Oh, comment j'ai mis toutes les balles. Oh, c'était quoi quand même ça? Oh. Ah oui. On tire celle-là. Je sais pas ce que c'est. Je vous explique. Moi, je sais que moi, avant, les machines, les robots comme ça, ils n'aimaient pas se faire toucher par l'arrière. Enfin, en fait, ils ont un truc derrière eux, en fait, pour les tuer, comme une genre de batterie. Plus de munitions. J'ai pas de grenade. Oh shit. Si on tue un ennemi. C'est pas tiré. Ah.
Dommage, c'était bien en plus. Dommage. Alors, on commence pas tout du début, hein, parce que... Voilà, merci. Je te jure, sinon je suis à l'arrêt cardiaque tout de suite, là. Là, ce que j'ai en train d'entourer là, mais mon cercle. On va voir un peu ce qui se passe. Comment je vais là-dedans? Bon bah tant pis. Pour fracasser la porte. Oh putain, j'ai trouvé sa main. Vous voyez, c'est bestial. Dès que tu vas dans l'eau, en fait, ils le savent. Ils ont à peu près comme un tour pour les... Parce qu'il y a tout comme un ressenti avec les requins. C'est à peu près pareil. Sauf que eux, quand ils te chopent, ils t'arrachent presque en avant la tête, en fait. Non. Lol. Que je meurs. Bon bah les amis, je crois qu'on va s'arrêter là. Ça va être tout pour le moment. Je continuerai la prochaine fois. Je pense que vous aimez bien. Hein. Enfin, je pense, je sais pas.
s'arrêter là. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, la vidéo vous aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, n'hésite pas à me dire si tu veux que je continue. Donc mets un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, si c'est déjà fait ou non. N'hésite pas à mettre un commentaire, ce que tu en penses, si tu veux que je continue ou quoi que ce soit. N'hésite pas à m'envoyer des photos de tes constructions Minecraft ou Redstone. Redstone, si tu veux, ou construction de tes maisons. Alors, si vous m'envoyez des constructions de ta maison, tu m'envoies la façade de ta maison et l'intérieur. Vous ne montrez pas à chaque fois toutes les pièces, hein. Vous montrez juste le salon. Enfin, juste une pièce, c'est tout. La plus belle. Après, je crois que ça va être tout. Donc voilà la photo de la boîte du jeu. Et donc bon, si vous aimez beaucoup ce jeu, vous pouvez le prendre. Moi je sais que j'ai fait le premier qui était pas mal, et là le deuxième que j'apprécie beaucoup. Donc encore on continuera ensemble. En cas, peut-être la prochaine fois on continuera ensemble. Ce n'est pas certain, mais je pense qu'on continuera. Donc sur ce les amis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, soyez sages au collège, enfin à votre école quoi. Non je rigole. Et n'hésite pas à partager la vidéo et d'en parler à tes copains aussi. Ça fait toujours plaisir de savoir que ma chaîne vous plaît à ce point. Un peu quand même, parce que bon, c'est pas ça, mais bon, c'est que c'est un peu chiant. Voilà. Enfin, c'est un peu chiant pour faire des montages. Enfin, voilà un peu. Donc sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. Et portez-vous bien et bye bye.